Bonjour amis fanatiques, connectés dans quatre coins de l'an. Merci pour le support. Continuez à suivre nous sur Fiat TV 83. Nous rentrons la caille pour une prochaine vidéo. Côté n'a parlé à la police dans ville locale mettait en bas code deux jeunes garçons qui kidnappaient Tedio et puis faire amis relé la caille pour demander rançon. Parents, famille et amis vraiment en difficulté à porter plainte dans commissariat. Ak toute désolation à dénoncer za kidnapping yo fait sous petite li, c'est après le gros saisissement les familles apprennent c'est yon complot pour petite la monter pour faire l'argent sous tête li. Côté n'a parlé à la, c'est gros vigilance la police rive détecter auto kidnapping ça qui fait entrer yon groupe zami. Dans même enquête ça, cellule contre enlèvement yo rive maré 5 moun qui c'est auteur intellectuel criminel qui fait dans ville Okaï. N'a rappelé pour tout le monde point du jour Marvel li gen seulement 16 l'année sous tête li accepté en complicité ak zamil rive kidnapper tête li pour faire l'argent sous parent. Commissaire Pierre Yves Le Sage a dit nous plus sous axa qui passait en dans ville Okaï. Zami fanatique, pas oublier continuez à abonner à la chaîne là et c'est une raison ou à pas aider nous grandir et ou à permettre nous porter pour plus vidéos sur ce qui a passé en Haïti et le monde. Nous réunis après-midi à la presse, c'est juste pour nous capables de faire une information. Mais avant nous faire une information, ça, on a profité pour nous sensibiliser toutes parts qui ont une petite école pour nous voyager sous Timon. Voyager comment? Des fois, si vous avez un élément, par exemple, quelconque, un objet quelconque, et puis, par rapport à poser des questions, qui côté le jeune, qui côté le sous-tavel. Alors, ce que si vous avez doit faire gros transactions que par rapport à jamais connaît. Dans ce sens, on a demandé par rapport à voyager sur Timon, mettre des contrôles sur vous, pour vous connaître qui c'est Timon a fait dans la rue, qui c'est mené, et si vous avez avec un objet dans la rue, pour vous connaître qui côté le sorti. L'information, c'est qui ça allait. C'était jeudi après-midi, et la police. SDPJ de Kaï est au courant que il y a un kidnapping qui fait. Mais en tout temps, c'est ça, il y a un auto-kidnapping. C'est mettre affaire même qui fait kidnapper pour capable de corps, pour capable d'évoluer. Comment ça fait? Vendredi après-midi, aux environs de 5 heures, il y a une maman, Simon qui est à l'école, là, qui est Saint-Jour, Marie-Orlensi, avec tonton Li, Pierre-Michel Saint-Jour, qui devine déposer plainte dans SDPJ que petit tu allais à l'école, il n'y a pas où elle est rentrée. Maintenant, la parole est rentrée à chercher information pour connaître ce qui s'est passé. C'est comme ça, et par contact téléphonique, la police est arrivée, repérée dans quelle zone côté curé. Eh bien, madame, ça a été une plainte avec les frères là pour petit bonhomme qui a enlevé. C'est les gens qui allaient à la caille, parents, petit monde, ils ont vu que c'est monsieur qui a planifié un auto-kidnapping. Lui-même avec deux jeunes gens parallèles qui ont 16 ans. C'est point du jour, Marvel Adriano, qui gagne 16 ans, Moïse Kervins, qui gagne 16 ans, et Charles Dimé, qui gagne non Black, qui gagne 17 ans. Et c'est Black là qui fait toute planification avec leurs deux messieurs, pour être capable de kidnapper ce bonhomme là, et puis ensuite pour être capable de mettre quoi. Dans le cas d'intervention, ça gagne deux autres monde qui ont arrêté, qui c'est Charles Jean-Claude, qui c'est Papa Black, avec Delva Marie-Claude, lui-même qui c'est Maman Black, qui chaque gagne 41 ans. Maintenant, qui est-ce que ça fait? Monsieur allait à l'école, il n'est pas entré la carrière jeudi. Là, il n'a pas eu par n'a pas cherché information. Dans demain, il a relé, il a dit, maman, comme ça, que a kidnappé et que c'est dans sa vente, il a arrêté. Le monde qui a kidnappé, il a demandé 15 000 dollars haïtiens, il a libéré. S'il va payer 15 000 dollars, dans demain, si Dieu veut, dans le ça, il n'a pas de jeûne encore. C'est ainsi que dans l'intervention, la police a arrêté 5 personnes qui sont point du jour Marvel Adriano, Moïse Kervins, Charles Dimé, Charles Jean-Claude, Delva Marie, Maud. Et je t'ai relé dans mon premier téléphone avec un numéro inconnu. Je demandé pour M. Bay, par M. Bay, 15 000 dollars. Mais maman qui connaît que lui-même, il va gagner un problème, qui ça le fait? Il vient dans la police, il vient déposer plainte, il est capable d'aider dans la situation. Ça. Et même si ça a relé dans mon numéro demain, si Dieu veut, à 4h08, le numéro 44-40-93-40, je demandé pour y porter comme la vie. Mais maman n'a parlé de ces voix petites qui a parlé. Il dit si on pas porter comme la pour lui, pour y aller dans deux mains dans le Sahara, il pas que je n'y encore. Comme il dit ça, nous avons contacté cellule CCE, qui c'est cellule contre enlèvement, avec la DCPJ de Port-au-Prince,
et puis nous faisons tout élément d'évaluation, nous visualisons les pistes, et puis nous sommes capables de faire intervention. Intervention en fait, nous avons arrêté, et actuellement, nous avons fini de dresser, et tout à l'heure là, nous avons sauté dans le tribunal de première instance des cas. Bon, c'est toute information ça a un dégât pour nous. M'espérer que chaque information que nous gagnons, nous mettons la presse au coin pour capable informer la population hein, du travail que nous avons fait. Cinq qu'on a arrêté dans le cadre des interventions. Il y a deux qui ont arrêté au commissaire Dekay, l'autre a arrêté dans la rue Gossin. Et M. Rélé, point du jour, Marvel Adriano. Monsieur gagne 16 ans. Il a arrêté tout? Oui, il a arrêté tout. Donc l'hôpital général Dekay, donc l'enquête là a continué. Nous étions en détecte et l'hôpital là. Et maintenant qu'on est là, nous pour nous entendre. Employé qui était des services de ce soir ça. Donc la semaine ça m'a fait. Et malheureusement, ils continuent à voler. Ils continuent à casser l'hôpital là encore. Et hier soir, ou bien vendredi soir, ou arriver samedi matin, ils ont cassé encore l'hôpital là. Ils ont allé avec 14 batteries sur 16 qui t'a desservi et service laboratoire. Donc bah, c'est du trop. Nous ne pouvons pas accepter ça encore dans les mains chevalier de New York et dans la juridiction. Donc nous ne pouvons pas dire ça que nous allons faire, mais nous pensons que nous avons avancé avec quelqu'un pour nous mettre les mains dans la colette bandit, dans la colette de monde qui a fait ça, qui a détruit bien le public, qui a détruit bien l'État, qui est déjà au service de la population, qui déjà nous connaît, nous ne pouvons pas faire ça dans la juridiction. Oui, je suis directeur, parce que le directeur a été supposé avoir une liste de monde qui est du service, je sois ça. Donc il n'y a pas de fait. Le patron était juste dit qu'il passait communiqué à l'employé, mais l'employé n'est pas venu. Et même, il était convoqué, lui-même était venu. Il est soumis à une liste, déjà, une liste de tout le monde qui était de service pour soit ça, de sécurité qui était de service pour soit ça. Donc, même, on va faire ça que pour nous faire en tant que commissaire gouvernement et judiciaire des cas. Oui, il y a un kidnapping qui est fait, c'est un élément qui lui-même qui kidnappe tête. Il y a un kidnapping qui kidnappe tête. Lui-même avec deux lots pareil. Donc, il a été demandé rançon, maman a eu rançon. Donc, le dossier arrive à la justice, la police. La police a fait ça pour le faire. Il a fait périmètre la côté de l'océan. Et nous avons procédé à l'arrestation. Il y a trois. Et complices, qui sont deux, il y a des mamans. Maman, un élément qui était là, donc il est black avec papa, qui était serré là. Et qui a demandé maman auto-kidnappeur, l'argent, rançon. Donc, je dis à tous les quatre personnes, ça y a. Et en bas main la police avec la justice et après prendre question et la justice. C'est mineur? Non, pas mineur parce que 20-21 ans. On s'est okay. Donc pas avec mineur là-dedans. Je pense que l'enquête là continue dans le cadre de l'embauche avec des fêtes bon central là. Mais suivant l'information que nous gagnons, et sans recul de justice, il fait que sur la prison pour vol. Donc pour vol parce qu'il était cassé son dépôt et qu'il était laissé à devant le dépôt et devant tout ça dans le dépôt au pasteur. Et pour salir la prison, il fait que sous la prison. Et monsieur habitué voler dans la zone déjà. Mais ça ne veut pas dire que nous ne pouvons pas mener enquête pour nous connaître et les conditions dans lesquelles qui fait que monsieur lui-même nous trouve la mort. Malheureusement, on a parlé d'un sujet qui a fait l'hôpital la mal. Et c'est un vol de batterie que nous constatons hier matin aux environs de 9h10. Et que la batterie, ça a combien de nous gagnons 16. Individu t'apprend 14. Et Baptiste a wall yo te gen, il gen wall pour alimenter laboratoire là. Côté que depuis l'année nous n'a pas pour laboratoire ça fonctionne 24 sur 24. On l'autre non encore mais cette fois-ci c'est pas organisation qui était pas nous, c'est laboratoire national qui fait nos dons ça. Donc on don yon bat yo fait cadeau que à l'époque l'hôpital là pas de moyens pour te et tête nil. Le faux cadeau, qu'on a là pour l'autre monde passé d'elle, il faut 14 là-dedans. Nous, pour nous-mêmes, l'objectif c'est faire l'hôpital là reprendre, caractère l'hôpital. Et ça fait essayer pour nous faire tout service sur performance à 100%. Donc, pour compréhension, ça nous fait nous-mêmes, hier matin, on va la pluie, nous avons été grand pile la pluie, nous sommes allés dans le commissariat, nous avons déposé plainte. Nous avons les magistrats Gardner, qui devaient juste faire un constat. Et matin encore, avant l'interview, ça côté c'est le commissariat nous sortit, côté nous sortit pour côté SDPJ pour faire enquête là. Donc, nous-mêmes nous n'avons pas de compréhension, nous avons juste quitté la justice, la police fait travail. Non, même Jean Président, nous-mêmes nous avons pris des blackouts. Il fait que nous disons que l'hôpital ça, il suppose qu'il y a un courant là-dedans. Et hier, nous avons constaté ça, nous avons deux génératrices, nous avons séparé de 12 heures de temps.
génératrice, on génératrice qui a travaillé 12 heures de temps, l'autre génératrice qui a travaillé 12 heures de temps. Ce qui fait que même si mon data gagne temps, si on le vole battre, si le collaborateur n'a pas fonctionné, il chiré. Parce que soit là, l'infini dans le vie, le collaborateur fonctionne. Donc il y a des gens qui étaient là, soi-disant, qui étaient là je sois ça. Donc nous on va donner la police, nous même qui a fait enquête. On va attaquer le CRA qui a mangé par le caille. Non, pas qu'à confirmer ça, nous quitter ça sous compte la justice.